and happiness, everybody. Please. What you want? Please. What you need? Please. What you want? Please. What you need? Je m'appelle Élise, j'ai 33 ans et je suis photographe. Enfin, j'essaye. J'habite à Belleville depuis 2004. J'ai une fille et deux garçons. Ils sont restés au pays avec ma femme. Ici, j'ai deux boulots. La journée, je travaille dans un restaurant. La nuit, je suis gardien dans un entrepôt de marchandises. Chaque mois, je vois à peu près la moitié de ce que je gagne. Ils ont besoin de l'argent que je gagne, alors je ne peux pas me permettre de tomber malade. Pour prendre soin de la famille qui est restée au pays, je ne dois pas blaguer. Alors je fais attention à moi, je surveille ma santé de près. Et puis ici, si j'ai un problème, je peux me soigner. Alors c'est une chance que je ne peux pas gâcher. Je m'appelle Aminata, je suis ivoirienne. Ça fait 25 ans que je suis en France. Je suis venue avec mes parents, on s'est installé en Corrèze. On était les seuls noirs du coin. Quand j'ai eu mon bac à 18 ans, je suis montée à Paris pour faire mes études. Je me souviens encore de ce que m'a dit mon père. Ma fille, marche droit et garde la tête haute. Je voulais devenir assistante sociale et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé une association pour venir en aide aux femmes en difficulté. Et c'est devenu un centre social. Au départ, on était basé en banlieue et on a ouvert une antenne à Belleville. On est tous sous le même ciel ici. On travaille, on est là, on se bat pour faire les choses. On a besoin de rester en bonne santé. Donc il faut aller voir le médecin et faire le point. C'est pas parce qu'on cherche qu'on trouve. Quand on cherche là, on trouve un problème, on peut le régler tout de suite. Hein? Il faut pas traîner. Vous connaissez tous comment on fait pour éviter les problèmes, non? Comment on fait pour éviter les problèmes de maladie, non? Pourquoi je fais ça? On n'est pas des animaux. Quand tu as vu la misère, tu es obligé de faire quelque chose. Quand tu as vu, tu sais, tu dois faire. Toi-même, tu sais. Tu as devant toi le président fondateur du BFC, Belleville Football Club. Je m'appelle Phil, j'ai 39 ans. Hey, je sors de chez le médecin là. Il a dit que je suis en pleine forme. Bon, je le connais bien. Oui, je vais régulièrement le voir à chaque début de saison pour voir si tout est en place quoi. La santé, c'est pas un truc qu'il faut négliger, non? La santé, c'est mon trésor. Si tu t'en occupes pas, ça finit par poser des problèmes. Hein. Comme moi, je suis pas du genre à laisser traîner les choses, je prends les choses en main. D'où je viens? Moi, je viens du Burkina Faso, le pays du grand Thomas Sankara, en fait. Mes parents sont originaires de là-bas, moi, je suis né ici, rue des Panoyaux. On peut dire en quelque sorte que je suis un enfant du 20e. Et c'est ici que j'ai été à l'école, j'ai fait mes premières rencontres ici, mes premières bêtises aussi. Et j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet d'avocat ici même. Quand j'étais au pays, Paris, c'était la Tour Eiffel. Paris, c'est pas les Champs-Élysées, c'est pas la Tour Eiffel. Pour moi, Paris, c'est Belleville. Et Belleville, c'est Paris. Tu vois, quand je vois ces enfants qui jouent, les vieux Arabes qui vont dans les cafés, les Juifs qui vont à la synagogue, et puis les mamans en boubou, je me dis que Belleville, c'est la plus belle ville du monde. Et Belleville, c'est Paris. Et que Paris, c'est le monde. J'habite à Belleville depuis 1977. Je travaille sur les chantiers. Ça fait 25 ans. Et je sais tout faire dans le bâtiment. Mes mains sont usées tellement j'ai travaillé. Ma santé? Non. Je ne m'occupe pas vraiment de ma santé. Et j'ai pas le temps. Je travaille tout le temps. Quand est-ce que je vais aller chez le médecin? Et puis, c'est compliqué. Je suis sans papier. J'ai jamais vraiment fait attention à ma santé. Jusqu'à très récemment, lors d'un bilan de santé, on a découvert que mon père avait une hépatite B. Et franchement, heureusement qu'il a été chez le médecin parce que ça lui a permis d'avoir un traitement depuis. À la base, c'était une simple visite de routine comme ça et depuis, on a tous été se faire dépister. On a emmené les enfants se faire vacciner. Et depuis maintenant, je fais attention. Au moins une fois par an, je prends le temps pour ma santé. Parce que comme dit ma mère, la maladie peut venir chez toi même si tu ne l'as pas invité.
Je suis femme de ménage. Oui, femme de ménage. Je me lève tous les matins à 3h du matin pour aller à mon travail. Je marche 40 minutes pour attraper les bus de nuit pour aller à la tour, là où je travaille. On n'est pas nombreux là-bas. On n'est qu'une dizaine de femmes pour toute la tour. Et la tour, elle est grande, elle est immense. Donc, ça nous donne beaucoup de travail. D'abord, on commence en haut les bureaux. Il faut le faire avant que les chefs y viennent. Oui, on vide les corbeilles, on fait les poussières. Et après, on lave le sol. Et c'est très, très dur pour nous. Parce que c'est vraiment grand, les bureaux sont grands. Donc, c'est fatigant. Mais il faut venir travailler quand même. Donc, ce que je peux vous dire, mes sœurs, il ne faut pas négliger sa santé. Surtout le travail que nous, on fait, nous, les femmes de ménage. Ça joue beaucoup sur notre santé. Les dos, les pieds, donc c'est vraiment fatigant pour nous. Donc, la santé, il ne faut pas négliger. Et ce que je peux vous dire aussi, il ne faut jamais, jamais avoir honte d'être une femme de ménage. Une femme de ménage, c'est un travail comme les autres travails. Et c'est dur. Et moi, Fatoumata, je suis fière d'être une femme de ménage. Et voilà. Je m'appelle Élise. J'ai 33 ans et je suis photographe. Enfin, j'essaye. Je suis née au Laos et j'ai été adoptée. Mon père, il est enseignant, il est à la retraite. Ma mère, photographe. C'est elle qui m'a donné le virus de la photo. En ce moment, je suis amoureuse. Il s'appelle Lassana. Je crois que c'est la première fois que je suis vraiment amoureuse. Tous les jours, il passe des heures avec ses patients, il s'occupe d'eux. C'est Lassana, quoi. Je m'appelle Lassana, je suis médecin. J'ai toujours voulu être médecin. Et je crois que dans ma tête, ça tout de suite était clair. Le plus important dans mon boulot, le plus important, c'est d'arriver à aller chercher ceux qui ne viennent jamais nous voir. C'est eux qui en ont le plus besoin. Bonjour. Bonjour, docteur. Vous savez pourquoi je suis ici? Parce que j'aime Belleville. J'aime ce quartier. J'aime être avec vous. Merci. Il y en a qui sont nés ici. Il y en a qui sont venus de loin pour vivre ici. C'est la vie. Je sais que la vie est dure. Et que souvent on se dit, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Mais en vérité, si tu veux trouver le temps, tu le trouves. Et l'argent, c'est pas un problème. Il y a des endroits où on peut faire le point sur sa santé, sans rien dépenser. Moi-même, je fais des permanences ici chaque semaine. De 17h à 20h. Je sais aussi qu'il y a des gens qui ont des problèmes de papier. Ça n'empêche pas de s'occuper de sa santé. Même sans papier, il y a des solutions. Franchement, n'hésitez pas, venez. Prenez le temps de faire le point sur votre santé, sinon ça va gâcher vos projets. Tôt ou tard, ça peut vous empêcher d'avancer. Quelle que soit votre situation, vous devez prendre soin de vous et de vos enfants. Les enfants. Eh oui, les enfants. C'est pour eux qu'on se bat. C'est pour eux qu'on fait tout ça. Alors c'est pour eux qu'on doit prendre le temps de faire le point sur notre santé. Je sais que vous aussi, vous avez des projets. Vos enfants aussi, ils ont des rêves. Il y en a qui rêvent de devenir footballeurs. Il y en a peut-être qui veulent devenir médecin, avocat, journaliste, astronaute peut-être. Les petits frères, c'est l'avenir. Il est essentiel de prendre soin de sa santé. Il ne faut pas attendre d'être malade. Beaucoup de maladies ne se voient pas. Alors il faut aller chez le médecin pour faire le point sur sa santé régulièrement. Plus on détecte tôt certaines maladies, mieux on peut les soigner. Si vous venez d'arriver du pays pour réaliser vos projets, veillez sur votre santé. C'est votre plus grande force. Allez voir le médecin pour vérifier que tout va bien.